sombre et noir en ce moment. Oui, très sombre. Il n'y a plus de lumière du tout. Un peu de demi-jour à midi, sinon c'est sombre. Oui. Et pas seulement sombre. C'est tout noir, on dirait. L'obscurité est si sombre qu'elle devient noire, comme de la terre, presque. Oui. Et on dirait que c'est de plus en plus sombre d'année en année. Il n'y a plus de lumière du tout. Il y a tant de maisons vides maintenant. Autrefois, il y avait la lumière dans chaque maison. Alors que maintenant... Oui. Il y a de moins en moins de monde ici. Bientôt, il n'y aura sans doute plus que l'obscurité ici. Et les vieux meurent, les jeunes... Ils s'en vont. Personne ne reste. Il n'y a rien à faire ici pour les jeunes. Ceux qui le peuvent, ils s'en vont. Non, il ne faut pas exagérer quand même. J'exagère à peine. Mais il y a beaucoup de maisons vides, c'est vrai. Il n'y a pour ainsi dire plus que des maisons vides. Il y a nous et le voisin. Oui. Ça me fait de la peine. De voir que maintenant tout est sombre chez Sven aussi. À moi aussi. Dire que Sven est parti si brutalement. Il était là à s'occuper de ses petites affaires, comme d'habitude. Et puis soudain, il n'était plus là. Ça peut arriver quand on y pense le moins. Voyons. On est là, et soudain c'est fini. Oui. Oui. Mieux vaut ne pas y penser. Qu'est-ce que je deviendrais si tu pars? Oui. Maintenant, c'est sombre partout. Maintenant, il n'y a de la lumière que chez le voisin. Sinon, tout est sombre et noir comme de la terre. Et chez nous aussi, il y a de la lumière, bien sûr. Mais ça... Eh oui. Oui, ça fait presque peur de voir comme il y a de moins en moins de monde ici. Oui. Les jeunes sont partis, tous. Il n'y a pas d'avenir pour eux, tu le sais bien. Les vieux, ils meurent. Les maisons sont là, sombres et froides. Et notre jeune, il... Non, si je devais me retrouver seule, je ne pourrais sans doute pas beaucoup compter sur lui. Tu parles. Pour lui, il n'y a d'avenir nulle part. Non. Non. Pour lui, il n'y a pas beaucoup d'avenir, non. C'est comme ça. Oui, c'est drôlement sombre en ce moment. Mais c'est la période la plus sombre de l'année. Ils auraient pu éclairer la route ici, comme ils le font ailleurs. Ça nous aurait bien arrangé. Maintenant, il n'y a de la lumière que les rares fois où il y a une voiture qui passe. Sinon, tout est sombre. Sombre et noir. Les maisons vides, les gens morts. Sombre et noir comme de la terre. Mais ils ne veulent rien éclairer ici. Il n'y a plus personne ici. Ni gens ni voiture. Rien que nous deux. Il ne faut pas oublier. Et oui. Et puis le voisin, oui. Il ne faut pas l'oublier. Le pape, il ne faut pas l'oublier non plus. Je pense bien. Est-ce que tu l'as vu dernièrement? Oui. Je crois qu'il est parti en ville, faire des courses aujourd'hui. Je l'ai vu qui attendait le car à midi.
Prenez maintenant le cab, on va bientôt pas tarder. Oui. Dans un quart d'heure environ. C'est à 7 heures que le car arrive. J'ai 7 heures moins le quart à ma montre. Oui. Je ne me souviens pas d'avoir été aussi dérangé par l'obscurité autrefois. C'est plus sombre maintenant qu'autrefois, on dirait. Autrefois, il y avait de la lumière chez Sven. Oui. Ça aidait. Oui. Maintenant, il n'y a plus que chez nous, chez le voisin, qu'il y a de la lumière. Oui. Comme ça, le voisin est allé en ville aujourd'hui? Oui, on dirait. Alors, il va sans doute pas tarder. C'est ce que je pense aussi, il va passer. Il a dû s'acheter une bouteille d'alcool là-bas. Tu penses bien? Il a dû prendre un verre ou deux en ville. Sûrement, oui. Mais depuis quelque temps, il boit un peu moins. Oui. Depuis que sa femme est morte, il s'est un peu calmé. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu faire la bringue, maintenant. Heureusement, oui. Ah oui, avec tout ça. Oui. D'habitude, on ne le fait pas. Non. Je ne me souviens pas qu'on ait jamais tiré les rideaux. Si, tu t'en souviens. Tu te souviens de ça, au moins? Oui. Oui. Mais c'était il y a longtemps. Oui. Ça alors, tirez les rideaux. Allons, allons. Oui, il fait froid et sombre en ce moment. J'ai hâte que ça soit le printemps. Sortir le bateau, aller à la pêche, que les journées soient plus longues. On sent mieux quand les journées sont plus longues. Oui. Et si seulement ça pouvait aller mieux pour lui? On dirait que tout va de travers maintenant. Et d'après le voisin, ils l'ont mis en prison aussi, hein. C'était pas sûr. C'est peut-être seulement ce que dit le voisin, ça. Il dit tant de choses. Il ne faut pas toujours l'écouter. Mais ça fait si longtemps qu'on n'a pas de nouvelles. Oui. Il n'a pas l'habitude de donner signe de vie. Non, il n'en a pas l'habitude. Où penses-tu qu'il est? Je n'en sais rien. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas de nouvelles. Oui. Notre seul enfant. Et on ne sait même pas où il est. Ce qu'il fait, s'il est en prison, il aurait... Oui, oui, oui! Mais non, il n'est pas en prison.
mais pas son genre. Tous les jours, nous parlons de lui. Oui, je sais. Mais bientôt, on aura sans doute des nouvelles. Je pense. Espérons. Eh oui. Notre fils unique. Tu ne crois pas qu'il soit en prison? Je ne sais pas. Il aurait pu donner signe de vie tout de même. Voilà le cas. Comme les phares du car donnent de la lumière, ça met presque de bonne humeur. Il fait même des appels de phare. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Mais c'est sûrement parce qu'il y a le voisin qui rentre. Oui, sûrement. Mais... dire qu'il fait des appels de phare. Oui. Ah, alors le voisin doit être sûrement fin sous. Oui. Non, il ne faut pas rester là, regardez. Non. Ce n'est sans doute... peut-être que c'est quelqu'un qui vient. Chez nous. Non, sûrement pas. Pourvu que ça ne soit pas. Tu crois que ça pourrait être lui? Non. Non, ce serait affreux s'il revenait comme ça, sans prévenir. Oui. Tu vois quelque chose? Tu ne vois rien? Mais ils sont deux. Ils sont deux, oui. L'un des deux doit être le voisin et l'autre. Oui. Ça lui ressemble. C'est pas lui tout de même. Mais oui, ça lui ressemble. Il va chez le voisin, on dirait. On dirait. On veut que ce ne soit pas lui. Mais oui, ils vont chez le voisin. Je les vois dans la lumière, au-dessus de sa fenêtre. Tu les vois aussi? Je crois que c'est lui. Ben, c'est possible. Et il va d'abord chez le voisin avant de venir chez nous. Mais ils ont dû boire dans le car. Ils veulent continuer à boire, je sais pas. Non, c'est sûrement pas lui. Ou c'est peut-être un compagnon de beuverie qu'il a rencontré en ville. C'est possible, c'est déjà arrivé, ça. Et alors, ils vont se saouler pendant des jours et des jours. Oui. C'est déjà arrivé, oui. Oui. Tu te souviens? La fois où on n'a pas vu le voisin pendant une semaine. Oui. À la fin, j'ai été obligé de casser une fenêtre pour entrer chez lui. Oui. Et je l'ai trouvé. Assis sur sa banquette, ivre mort. Il n'avait pas bougé pendant une semaine. Il avait bu tout le temps. Alors que manger? Ça non. Il n'y a que la boisson qui m'intéresse. C'était quand sa femme n'était pas là? Parti je ne sais où. Dans une maison de repos, je ne sais quoi. Oui, avec tout ça. Il a bu toute la semaine, n'est pas sorti, est resté enfermé. N'a même pas ouvert quand j'ai frappé chez lui. N'a pas donné signe de vie. Eh oui. Tu crois que c'était lui? Non, sûrement pas. Ça fait au moins 6 mois qu'on n'a pas de nouvelles. Oui. Il n'est pas très content. Non.
Il est parti. Et on n'a plus revu. Il ne voulait sans doute plus avoir affaire à nous. Il a toujours été un peu spécial. Quand est-ce qu'on a eu de ses nouvelles? Non, je ne m'en souviens pas. Non. Mais il a toujours été gentil. Il n'a pas un mauvais fond. Non, mauvais, il ne l'a jamais été. Et quand il était petit, il n'avait pas grand monde avec qui jouer. Il a toujours été solitaire. Puis, il a commencé à faire sa musique. Oh, il était là, tu t'en souviens, pendant des heures. Tout le temps, il jouait de la guitare, tout le temps. Et souvent, il s'asseyait devant un miroir. Il était assis devant le miroir et il se regardait. On aurait dit que personne n'existait en dehors de lui et de sa guitare. Il ne s'intéressait à rien. Non, c'était insupportable. Tout le temps, il jouait. On aurait dit qu'il vivait dans un autre monde. Il faisait que jouer. Et quand on avait besoin d'un coup de main, c'est à peine s'il trouvait la force de se lever. Et quand il acceptait de venir avec toi, il ne faisait pas grand-chose. Tout le temps, vouloir y couper à chaque fois qu'il pouvait. Et il restait là, assis, et grattait sa guitare. Et tout ça, qu'est-ce que ça a donné? Il a joué dans un orchestre, en tout cas. Oui. Oui. Je ne sais pas. Non. On frappe. Tu as entendu aussi? C'est peut-être lui, peut-être le voisin. Tu veux que j'aille ouvrir? Ça vaut mieux. Tu crois que c'est lui? Mais je ne sais pas! Il n'est jamais venu jusqu'ici comme ça sans prévenir! Mais va ouvrir enfin! Oui! Mais faut te dépêcher! Oui! Ils m'ont escalé. Alors je crois que c'est lui. Mais ça ne peut être personne d'autre. Non. Oui, entre. Ça alors, c'est toi qui viens nous voir. Ça alors, c'est gentil. Ça alors, on ne s'y attendait pas. Ça alors, c'est gentil. C'est vraiment gentil. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai vu... Oui, on a vu deux hommes descendre du car et on s'est demandé si l'un des deux pouvait être toi. C'est rare qu'il y ait deux personnes qui descendent ici. Bah oui, ça n'arrive pas tous les jours. Et alors... On s'est dit... On a vu que les deux allaient chez le voisin. Alors... On s'est dit que peut-être... Non, que sûrement ce n'était pas toi. Mais... On ne pouvait pas en être sûr. Non, on s'est dit... C'est gentil. Tiens, viens, viens.
Viens t'asseoir. Il ne devait pas être très en forme, le voisin, aujourd'hui, je pense. C'est vraiment gentil de venir nous voir. Oui, je veux dire, il avait sûrement pas mal bu. Tu sais comment il est, le voisin? Oui, il est toujours le même, hein, ou plutôt. Oui, depuis que sa femme est morte. Tu sais qu'Edith est morte? Oui, elle est morte cet été. Et cet été, Bart est mort aussi. Et alors, on ne se retrouve plus que tous les deux ici. Oui, le voisin, bien sûr. Bah, il avait sûrement bu, le voisin, non? Oui, un peu. Vraiment? Il était fin sous. Non, pas vraiment sous, moi. Mais raconte! Comment vas-tu? Où as-tu été? Ça fait si longtemps qu'on n'a pas de nouvelles. Non. Non. Ce n'est pas si... Non, très causant, tu ne l'as jamais été. Tu n'as quand même pas... Non. Non. Je n'ai pas quoi? Non, rien. Je n'ai pas quoi? Oui. Elle veut dire. Dis-le. Ah oui, elle veut dire. Dis-le. Oui, c'est seulement le voisin. Il disait oui. Dis-le. Tu avais été en prison, dis-le. Que j'avais été en prison? Oui. Oui. Et comment est-ce qu'il a su ça? Ça, il ne l'a pas dit. Et pourquoi j'aurais été en prison, hein? Tu connais le voisin, non? Oui, il disait... Dis-le. Oui, c'était une histoire de... Dis-le. Oui, une histoire de... Qu'est-ce qu'il disait? Oui, oui. Dis-le! Quelque chose à propos d'un cambriolage. J'ai cherché de la bière ou je ne sais quoi. La bière. Hein? Il disait ça? Il disait ça? Je peux te prêter une chose? Où vas-tu? Ah, seulement aux toilettes. Tu n'as pas été en prison? Non. Mais alors, où as-tu été? Vraiment? Non, je te dis. Non! Ah, ce voisin! Non, c'est bien ce que je pense. Il ne dit rien. Tu crois qu'il dirait? Il ne peut quand même pas mentir sur ça, voisin. Oh, va savoir! C'est trop grave. Et lui, il ne dit rien. Il n'a jamais été très causant. Non. Il doit être fatigué. Peut-être.
peut-être pas tout à fait à jeun non plus. Tu l'as senti ? Et tout d'un coup, il revient. Oui. Comme ça, tout d'un coup. C'est quand même gentil de venir nous voir. Oui, mais... Ça fait quand même plaisir. Il n'a pas trop mauvaise mine. Non. Ça doit être le voisin. Et il monte, sans qu'on lui ait ouvert. Oh, c'est sûrement lui, mais d'habitude, il attend qu'on lui ouvre, le voisin. Ah oui. C'est lui, on le reconnaît à ses pas. Il a encore sûrement pas mal bu. Et il se pointe maintenant. Le fils vient à peine de rentrer, voilà le voisin qui se pointe. Il n'y a que lui pour faire ça. Il se repose. Il n'est même pas capable de monter l'escalier. Tu veux que j'y aille ? Il n'en a plus pour longtemps. À souffler comme ça dès qu'il fait le moindre pas, qu'est-ce qu'il souffle ? Oui, entre. Oui, je me disais qu'il fallait que je passe maintenant que le fils est revenu. Oui. Il n'est pas arrivé. Si, il est arrivé. Je me disais... Oui. Juste sorti pour un petit besoin. Oui. Il est revenu. Je me disais... Tu te disais. Oui. Je me disais que vous aimeriez peut-être avoir de la compagnie. Maintenant qu'il... Merci. Oui. Maintenant qu'il est sorti, hein, et qu'il est de nouveau libre. Oui. Qu'il a dit quelque chose ? Hein ? À moi non plus. J'ai vu qu'il allait chez toi. Ouais. Je l'avais rencontré en ville, hein, à la gare routière. On allait au même endroit. Il m'a accompagné chez moi. Il m'a allé apporter les sacs. Comme ça, tu es allé en ville aujourd'hui ? J'avais des courses à faire, puis je devais aller à l'hôpital pour un contrôle. Ouais, vous savez, hein, la santé, ça va pas fort, hein, non. Mais ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en ville. Mais il est... Comment ça va, la santé? Ça va pas bien fort, hein, et non. Non. Mais il n'a rien dit. Je lui ai offert un verre, hein. Ah oui. Je me disais qu'il allait parler, mais pas un mot sur ce qui s'est passé.
Ça fait longtemps que tu n'es pas passé nous voir. Ça fait une éternité. Peut-être bien un an que tu n'es pas venu. Oui. Ça va pas fort, hein. Quelque chose de nouveau. C'est toujours la même chose. De ce point de vue, rien à faire. Faut continuer et faire avec, c'est comme ça. Oui. Et des larmes, s'il te plaît. Oui. J'ai apporté une bouteille. Eh oui, vous savez, hein, quand on fait un tour en ville, n'est-ce pas? Tu te rendras bien vert. Oui. Hein? Oui, un petit alors. Ouais. Faut boire un coup de temps en temps, hein. C'est bon pour la santé, ça. C'est sûr. Et aujourd'hui, que votre fils est revenu et tout, hein? Oui, on ne s'y attendait pas. Qu'est-ce qu'il devient? Il est seulement allé aux toilettes. Eh oui. À la tienne. À la tienne. Oui, il est bon. C'est le meilleur. Eh oui, puisque le fils est sorti, hein. Un homme libre, faut fêter ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu es sûr qu'il a été en prison? Oui. Comment tu le sais? Je le sais. Mais comment? Eh oui, ça c'est du bon whisky. Oh, alors je ne m'y connais pas. Oui, excellent. Qu'est-ce qu'il devient? Oui, on peut bien le dire, hein. Le fils prodigue. Oui, il est bien bon. Il va venir. Le voilà, je pense. Malgré tout, c'est bien qu'il soit revenu. Oui. Ah, et voilà. On se demandait ce que tu devenais, hein. Oui. Ouais. On commençait à se le demander, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça fait vraiment plaisir qu'il soit revenu, alors qu'on ne s'y attendait pas. Tu as quand même entré. Viens t'asseoir. Viens bavarder un peu. Ça devait faire longtemps que tu n'étais pas revenu à la maison, hein. Assez longtemps, oui. Oui, ça faisait longtemps. Retour de fils. Bon.
C'est bien que tu sois enfin revenu. Tu n'as pas faim? Vraiment pas? Vous avez faim? Je peux préparer quelque chose à manger. Ce n'est pas de refus. Quelque chose à manger, oui, ce serait pas mal. Je peux préparer quelque chose. Tu veux peut-être un verre de whisky, toi aussi? Oui, pourquoi pas. Eh oui, faut quand même prendre un verre. Il est à tête maintenant, votre fils. Bien sûr. Si tu en as envie, bien sûr. Je vais chercher un verre, alors? Bah oui, fais-le. Alors comme ça, tu es revenu. On n'a pas eu souvent tes nouvelles, à vrai dire. Non. C'est pas du genre à appeler tous les jours. Non. Où as-tu été? J'ai été par-ci. Par-là. Oui, mais où est-ce que tu as été en prison? En prison. Oui. Tu n'as pas été en prison? Voilà ta mère qui t'apporte un verre. Eh oui. Alors, tu ne veux rien... De quoi tu parles? Non, je... Oui, tu... Non, je ferai mieux d'aller préparer quelque chose. Non. Oui. Il fait drôlement sombre en ce moment. Ça me fait de la peine de voir que tout est sombre, ces chevaines aussi, maintenant. Il n'y aura bientôt plus personne ici. C'est vrai, ça. Parmi ceux de ton âge, les jeunes, je veux dire, personne n'est venu s'installer ici. Pas un seul, à ma connaissance, depuis un bon moment. Il n'y a rien à faire pour eux, ici. Non. On ne trouve pas de travail. Oui. Et les vieux, ils meurent. Les maisons restent là, sombres et froides. Sinon, tout est sombre et noir comme de la terre. Et ma santé, hein, ça va pas fort, non? Bah oui, raconte. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'hôpital? Pas grand-chose. Je me demande ce que tu racontes. Ce que je raconte? Oui. Non. Oui, ce que tu racontes. Qu'est-ce que j'ai fait? Et que tu sais? Allez, vas-y, raconte. Allons! Puisque tu sais tout, tu n'as qu'à raconter. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu raconter? Tu racontes que j'ai été en prison. Tu ne l'as pas été, peut-être. Et alors? Tu ne l'as pas été. Et alors? Tu as été en prison. Tu ne le sais pas, peut-être. Oh, on m'a dit. Raconte ce qu'on t'a dit. Il ne faut pas avoir peur de moi. Où as-tu été? Et qu'est-ce que tu as fait alors? Mais le voisin ne te l'a pas dit. Si, si, mais... Tu as dit ce qu'il y avait à dire. On m'a seulement raconté. Mais on t'a raconté, ouais. Ouais. Mais tu sais ce que je voudrais faire? Allons! Comme ça. Tu voudrais me faire ça. Et je le ferai. J'en suis sûrement capable puisque j'ai été en prison. Allons! Pourquoi j'ai été en prison? Tu vas le savoir ça aussi, n'est-ce pas? On va se relire. Oui, c'est ça. On te l'a dit à toi aussi? Oui. On m'a... Mais pourquoi tu racontes des choses pareilles, hein? Oh. Oui? Maintenant, on va bientôt manger. Eh oui.
Vous êtes bien silencieux. Ouais. Ça va faire du bien de manger en morceaux, hein. Je pense bien, oui. Alors comme ça, tu as fait un tour en ville aujourd'hui. Oui, il a bien fallu. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas ce contrôle, mais il a bien fallu. Et puis, vous vous êtes rencontrés, toi et lui, à la gare routière. Tu as mal. Oui. C'est terrible. Ces douleurs. J'aurais mieux fait de m'allonger un peu. Je crois que je ferais mieux de rentrer. Tu vas quand même manger un morceau d'abord. Je ne sais pas. Tout d'un coup, j'ai... eu ces douleurs. Tu vas me tuer avec ta façon de parler. Mais c'est toi? Oui, oui, ça suffit maintenant. C'est toi qui colporte des ragots sur des choses. Oui, oui. Tu vas arrêter. Arrêter? Oui, tu ne vas pas. Mais c'est pas moi qui raconte des mensonges, c'est lui. Je ne fais que raconter ce qu'on m'a dit. Mais bien sûr. Mais c'est des mensonges que tu racontes. Voilà ce que tu fais. Ça suffit maintenant. Pourquoi tu fais ça, hein? Pourquoi tu fais ça? Je crois que je vais rentrer. Je ne me sens pas très bien. Si tu ne te sens pas très bien, alors... Allez, raconte-moi pourquoi tu mens. Non ! Raconte. Je n'ai fait que raconter ce qu'on m'a dit. Qui te l'a dit ? C'était... Oui, dis-le. C'était... Vas-y, vas-y. Tu mens. Tu as tout inventé. Non. À voir la façon dont tu parles et te conduis. Il n'y a pas que tout seul en toi où tu as été. Ah bon? Oui. Vraiment. Où vas-tu? Qu'est-ce que c'est sombre? Reste manger. Tu as raison. C'est sombre et noir. Il n'y aura bientôt plus personne ici. C'est vrai. Je dois dire que j'ai hâte que ce soit le printemps. Sortir le bateau. Mettre défiler. Aller à la pêche. J'ai pas mal pêché l'année dernière. J'ai pris pas mal de saumon. On en a encore plein dans le congélateur.
Oui. Tu en as pris, toi aussi. J'ai hâte que les journées soient un peu plus longues. Qu'il fasse un peu plus chaud. Je ne sais pas si je serai encore en vie. Non, ne dis pas ça. Si. Si tout devient sombre, même chez toi, je ne sais pas. Le café est servi. Viens maintenant. Oui, savez-vous. Viens maintenant. Je n'en ai pas envie. Le café, tu en prendras bien. Viens t'asseoir maintenant. Mais oui, fais-le. Je te sers du café à toi aussi. Allez, viens. Oui, maintenant tu vas raconter. Oh, tu vas arrêter. J'ai été en prison et puis quoi? Hein? Raconte. Raconte. Oh, ma femme m'a dit. Oui, on t'a seulement dit. Oui. Mais c'est des mensonges, tout ce que tu racontes. Non. Ça ne va pas. Je ne devrais plus rester et écouter ça. Il faut que je rende. J'ai été en prison et puis quoi? Hein? Tu vas raconter, oui ou merde? Raconte! Ça suffit maintenant! Attends! Je vais te relever! Dépêche-toi! Appelle le docteur! Dépêche-toi! Allez, vas-y! Raconte maintenant! Il doit être mort! Il est mort! Thank you.
et dire qu'il n'a pas arrêté. Je lui ai dit d'arrêter. Mais il n'y avait rien à faire. Il n'avait pas besoin de... Non. Il aurait pu arrêter. Je le lui ai dit. Je lui ai dit qu'il fallait arrêter. Mais il n'avait que continuer. Il ne l'a pas supporté, le voisin. Malade comme il était. Se mettre dans cet état parce que le voisin raconte des choses. Oui. Il a toujours raconté des choses, le voisin. Il suffisait de ne pas y faire attention. Il n'y avait qu'à le laisser parler. Puis ça faisait quand même une compagnie. Oui. Maintenant, nous sommes tous seuls ici. Tu te rends compte? Tous les gens qui vivaient ici, à part nous, sont morts maintenant. Tu y as réfléchi? Oui. Plus de lumière nulle part maintenant. Oui. La lumière est encore allumée chez le voisin. Il faudrait que j'aille l'éteindre. Il n'a sûrement pas fermé la porte à clé non plus. Oui, c'est très. Vraiment affreux. C'est affreux! On a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Dire que le voisin est mort, ici, chez nous. C'est comme si ce n'était pas arrivé. Comme si c'était un rêve en quelque sorte. Je n'arrive pas à le croire en quelque sorte. Oui. Et dire que la lumière est encore allumée là-bas, chez lui. Il faut que tu ailles éteindre. Oui. La dernière maison où il y avait de la lumière, ici. Oui. Ça fait beaucoup de maisons vides ici. Et dire que c'est si sombre. C'est le matin et il fait à peine jour. Je dirais qu'il ne fait jamais vraiment jour, Milton. Non. Et maintenant, il va sans doute se lever bientôt. Qu'il dorme. Non. Non. Dis pas ça. Je me demande ce que ça lui fait en fin de compte. Il va bientôt se réveiller. Je pense. Il est tard maintenant. Oui. Il dort bien, en tout cas. Mais je m'inquiète pour lui. Non, ce n'était pas de sa faute, à vrai dire. C'est arrivé, c'est tout. Il est mort, c'est tout. Et pourtant... Eh oui! Mais non! Ce n'est pas de sa faute! Tu penses bien? Mais il n'avait pas besoin de t'énerver comme ça! Le voisin, c'était le voisin! Il n'avait qu'à le laisser. Il fallait le prendre comme il était. Tu penses bien? Il ne faut
fallait pas faire attention à ce qu'il disait. Non. Non, c'est arrivé, c'est tout. Eh oui. Ce qui est arrivé, est arrivé. Il va falloir que je vienne éteindre la lumière là-bas chez lui. Personne d'autre ne le fera. On peut pas la laisser. Puis il va falloir que je trouve une clé quelque part chez lui. Il va falloir que je ferme la maison à clé. Je sais pas. Personne d'autre ne le fera. Il va falloir que je le fasse. Oui. Vas-y. Papa est sorti. Il allait... Non. Seulement faire un tour. Tu veux que je te prépare un petit déjeuner? Du café. À quelle heure est le café? Tu ne veux pas rester un peu? Tu viens juste d'arriver. Tu n'es pas obligé de repartir tout de suite. C'est à midi, n'est-ce pas ? Je ne veux pas rester. C'est pas de ma faute s'il est mort. Non. Il était malade. C'était une question de temps, c'est tout. J'ai pas été en prison. Non. Je fais de la musique. Oui. Par-ci, par-là. Dans des bains. Oui. Et tu gagnes ta vie comme ça. Oui. Et j'écris des chansons aussi. Et vous jouez? Oui. Mais alors, pourquoi est-ce que tu ne peux pas rester un peu à la maison? Non. Non, je veux partir. Tu pourrais appeler de temps en temps. Oui. Et à Noël, tu pourrais revenir? À Noël, nous allons sûrement jouer. Tu es debout, oui. Et il dit qu'il veut partir. Oui. Oui. Il est temps que j'y aille. Oui. C'est peut-être... Tu pourrais rester quelque chose. Le car arrive bientôt. Il faut que je me dépêche. La lumière attendra. J'ai pas eu quoi. Tu ne veux pas rester quelques jours? Non, cette obscurité. Tout.
Tout est sombre et noir. Jamais vraiment de lumière. Voilà le cas. Il monte dans le car. Il s'en va.